Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. On espère que vous allez bien, en tout cas nous ici ça va très bien. On est contente de vous retrouver dans cette nouvelle capsule mode et aujourd'hui on va parler jeans avec comment bien choisir son jean. Sur cette chaîne, bienvenue au club. Ici, on parle mode, on décrypte les tendances et on crée des looks pour t'aider dans ton quotidien. Le jean, on ne vous le présente plus, c'est un incontournable, c'est un indispensable du dressing. Le jean, c'est le vêtement le plus acheté au monde. Donc impossible de passer à côté, donc tout le monde a un jean dans son dressing. Donc est-ce que tu as un jean, Adèle? Oui, moi j'en ai. Non, même pas qu'un. On en a plusieurs. Vous le savez, nous le jean, c'est la vie. C'est la vie, on en porte tous les jours, bon, sauf là. Quoi que si toi, ouais. Là t'as ton... t'as, là c'est un blouson. La petit blouson en jean, mais c'est notre uniforme. C'est une pièce qui va avec tout, qui va pour tout le monde et qui va à tous. Donc c'est un peu comme le jean pour tous. Hein. Le jean pour tous. Le jean pour tous. Mais en ce moment, il y a tellement d'offres, il y a tellement de choix, il y a tellement de gammes. Que en ce moment on s'y perd entre toutes les différentes coupes. Alors comment trouver son jean idéal, comment bien choisir son jean? Pour bien choisir son jean, on vous propose de passer en revue les différentes coupes de jeans qui existent en ce moment et de les faire matcher avec notre silhouette. Pour bien choisir son jean, la clé du succès, c'est de le choisir en fonction de sa morphologie. On commence avec le jean slim, le jean skinny. Le jean slim, c'est un jean moulant de la taille jusqu'aux chevilles. Donc c'est un jean que vous allez pouvoir porter taille basse ou taille normale. Et ce jean, il est idéal si vous êtes menu et petite. Ou alors si vous êtes élancé ou mince, c'est un jean qui va mouler et qui va flatter votre silhouette filiforme. Donc idéal si vous avez une morphologie du type H ou X. Donc ce qui n'est pas notre cas. Non. C'est un jean qu'on a beaucoup porté à une certaine époque, mais c'est un jean qu'on ne porte plus parce qu'on trouve qu'il est pas adapté à notre morphologie. Ensuite, on a le jean flair, le jean bootcut ou pas de def. C'est le jean évasé en bas. Le jean parfait si vous avez des hanches larges ou des cuisses. Le jean qui va totalement aux morphologies qui sont de type 8, A ou O. Donc pour les filles qui sont pulpeuses, qui ont des rondeurs, c'est le jean qui va vraiment flatter votre silhouette parce que le bas évasé du jean va équilibrer le haut et le bas de votre corps. C'est un jean qu'on a dans notre dressing. Nous, on est de morphologie type 8, donc c'est un jean qu'on aime bien porter, c'est un jean qui nous met bien en valeur. Et la version qu'on aime bien en ce moment, c'est la version cropped. Voilà, hyper tendance, hyper sympa. On passe au jean boyfriend, donc littéralement le jean qu'on a piqué à son mec. Donc c'est un jean confort, un jean large et qui est raccourci à la cheville longueur 7/8. Donc c'est un jean universel. C'est le jean qui s'adapte à toutes les morphologies. Que vous soyez A, 8, O, X, H, tout le monde peut en mettre. Vous pourrez le choisir soit en taille haute ou taille normale. Après, au niveau du style, vous pouvez le prendre soit plus fitté ou alors un peu plus loose. Ça dépendra de vos goûts, ça dépendra de ce que vous voulez donner comme style. Et vous pouvez parfaitement aussi un peu le retrousser pour lui donner un peu plus de dégaine. Voilà, jouer un peu avec les longueurs. Vous avez aussi le jean coupe droite, le jean régulier. C'est le jean droit. C'est le jean vraiment universel. C'est le jean qui va à tout le monde. Peu importe que vous soyez petite, grande, mince ou ronde, il ira avec votre morphologie. Choisissez-le taille haute ou taille normale, court ou long, vous avez l'embarras du choix.
Nous, en ce moment, ce qu'on aime, c'est la version cropped, la version raccourcie. On termine avec notre jean chouchou, notre jean préféré. C'est le jean que l'on porte le plus au monde. On nomme, c'est le jean mom. Donc, c'est le jean le plus recherché de la saison. La coupe des années 90 par excellence. Donc avant il y avait le jean qu'on avait piqué à notre mec, maintenant il y a le jean qu'on a piqué à notre maman. Donc le jean mom, c'est le jean qui a une taille extra haute, les jambes larges et le bas resserré. Il est parfait pour les filles qui ont une morphologie en 8, parce que la morphologie en 8, c'est la taille marquée et les hanches. Donc nous, c'est ce qu'on aime et c'est pour ça qu'on le porte tout le temps. C'est le jean qui féminise, qui flatte la silhouette et les courbes. Donc pour les puristes comme nous, on prendra la version vintage. Ou alors, bon, bah pour celles qui n'aiment pas le vintage ou qui n'ont pas l'occasion d'acheter du vintage, nous, on a une marque qu'on adore quand on n'achète pas nos jeans en friperie ou en vintage. C'est la marque Monkey. Alors là, c'est une des marques qu'on adore. Leurs jeans, ils sont top. Il y a un très très bon rapport qualité-prix. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à trouver votre jean idéal. Si c'est le cas, eh bien laisse-nous un petit pouce bleu vers le haut. On se retrouve dans les commentaires. Dites-nous si vous avez trouvé votre jean idéal, si vous avez d'autres tips pour trouver le jean idéal, ou alors si vous n'arrivez pas à trouver votre jean idéal. Laissez-nous vos commentaires. Voilà, on adore vous lire. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!